20 et 21. Lèvons-nous pendant que nous lisons la parole de Dieu. Can we stand up as we read the word of God? 1, 2, 3, allons-y. Ne vous asseyez pas, laissez-moi lire dans la version amplifiée. Let me read from the amplified version. Afin que vous compreniez exactement de quoi il était question. So that you understand exactly what it's all about. Élisée mourut. Elisha died. Et on l'enterra. And was buried. Un groupe de Moabites qui avait envahi le territoire. A group of Moabites that invaded the territory. Pendant l'année qui suivait. During the following year. On était en train d'enterrer un homme. A man was taken to be buried. Dans un cercueil ouvert. In an open coffin. Une timbale apparut. And a band appeared. Et la personne qu'on enterrait. And the person that was buried. Fut accidentellement jeté dans le tombeau d'Élisée. Was accidentally cast into the grave of Elisha. Et qui toucha les os d'Élisée. As soon as he touched the bones. Il reprit vie et s'éteint sous ses pieds. He came back to life and stood on his feet. Quelqu'un dit amen. Somebody say amen. Quelqu'un dit amen. Somebody say amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Can you sit down in the presence of God? Je prêche ce matin. I'm preaching on it. Sur le thème. On anything. Je ne mourrai pas avant mon temps. I shall not die before my time. C'est la personne qui a dit amen là qui a compris. Et cette personne s'est levée d'accord. Je ne mourrai pas avant mon temps. I shall not die before my time. Dis à ton voisin, je ne mourrai pas avant mon temps. I shall not die before my time. Parle avec autorité. Speak with authority. Mettez la vie au diable. Non, je ne mourrai pas avant mon temps. I shall not die before my time. Dis encore. C'est que Dieu. Dis encore. C'est que Dieu. Qu'il te soit fait selon ta foi au nom de Jésus. Prépare de la qualité au cœur de l'homme. Tu ne peux pas choisir les conditions de ta naissance. You cannot choose the conditions of your birth. Tu ne peux pas influencer ta naissance. You can't influence your birth. Mais tu peux influencer ta mort. But you can influence your death. Tu ne peux pas choisir les conditions de ta naissance. You can't choose the conditions of your birth. Tu peux choisir les conditions de ta mort. But you can choose the conditions of your death. Il y a trois genres de personnes. There are three types of persons. Il y a ceux qui vivent. There are those who live. Sous la crainte de la mort. And they fear of death. Ils vivent comme s'ils allaient mourir demain. They live as if they're to die tomorrow. Ces gens sont ceux que j'appelle les handicapés. Those people are what I call the handicapped. Ils sont handicapés. They are handicapped. Ils ne peuvent rien faire. They can't do anything. Ils ne peuvent rien faire. They can't catch up. C'est la peur de la mort. Because of the fear of death. They are trying to possède leur vie. It's possessing their life. Les handicapés leur vie. It is handicapping their life. La deuxième catégorie. The second category. Ce sont ceux qui vivent comme si la mort n'existait pas. Attends tout de suite. As if death never existed. Non, ce genre de personnes, whenever this kind of person, je les appelle les insensés. I call them mad people insane. Insensés. I call them the insane people. Et la troisième catégorie, and the third category, ce sont là qui vivent comme s'ils étaient déjà morts. D'ailleurs, tout lui, as if they're already dead. On les appelle les chrétiens. They are called Christians. Parce que dès que tu deviens chrétien, because as soon as you become Christian, tu es mort sur la croix de cela 2000 ans. You die, on the cross. Tu as fait la Bible déclare. For the Bible says, mais quand Christ est mort, that when Christ died, nous sommes morts afin riche. We died with Christ. Afin que comme il ressuscite des morts, so that as he shall raise, nous ressuscitons afin riche. We shall resurrect with him. Je vois la fin de résurrection arriver dans ta vie. I see the resurrection like coming of Christ. Je vois la fin de résurrection arriver dans ta famille. I see the name of the resurrection. Je vois la vie de résurrection arriver dans tes affaires. I see the resurrection coming upon your business. Lorsque Christ est ressuscité, when Christ resurrected, il n'avait plus de barrière pour lui. Even words could not make a barrier. À partir de ce matin, as from this moment, pendant que tu entreras dans le mois prochain, as you get into the next month, il n'aura pas de barrière dans ta vie. Il n'aura pas de barrière dans ta vie.
Those who live as if they were already dead. Ce matin, this morning, je suis venu parler. I came to talk. Sur le thème, je ne mourrai pas avant mon temps. Under the theme, I shall not die before my time. Avant mon temps, before my time. La Bible déclare. The Bible declares. Elisha, atteint d'une maladie, who had a sickness, qui devait l'emporter, that had to take him away. Oh, ma kataraba chanta. Le grand prophète Élisée, the great prophet Elisha, est tombé malade, sick. Et il y avait un roi, and there was a king, qu'on appelait Joas, called Joas. Le Joas d'Israël, the Joas of Israel, est différent du Joas de Juda. Is different from the Joas of Judah. Le Joas d'Israël, is the Joas of Judah. Un roi qui était méchant, a wicked king. Un roi qui était méchant, a wicked king. Et qui avait persisté dans l'idolâtrie de ses parents. And who persisted in the idolatry of his parents. Lorsqu'il a vu, when he saw, que le prophète était sur le point de mourir, that the prophet was about to die, il a couru vers le prophète. He rushed to the prophet. Il a couru vers le prophète. He rushed to the prophet. Il a dit, mon père. And said, my father. Mon père. My father. Y a-t-il une parole de Dieu? Is there a word from God? Élisée lui a dit, Elisha told him, prends l'arche, take the arc, et quelques flèches, and book, take the poor arrow. Et dès qu'il a pris l'arche, as soon as he took it, Élisée, Elisha, a mis ses mains sur ses mains, put his hand on his hand, et a dit, tue, laisse, shoot, toi de par la fenêtre, through the window. Il a fait le premier tir, bam, the first shot, bam. Après Élisée s'est assis, after Elisha sat down, il dit, non, prends l'arche, he said, take the arc, et les autres flèches, and the other arrows, et frappe à terre, and hit on the ground. Le roi a pris l'arche. The king took the arc. Bam. And he struck. Bam. Struck. Bam. Struck. Et à trois reprises il s'est arrêté. And after three times he stopped. Lorsqu'il s'est arrêté, when he stopped, le prophète s'est fâché. The prophet got angry. La Bible dit qu'il était indigné. The Bible says he was indignant. Et comment as-tu frappé seulement trois fois? He said, why did you strike just three? Tu aurais dû frapper cinq ou six fois. You would have done it at least five or six times. Jusqu'à ce que tu aies la domination sur tes ennemis. Until you have dominion over your enemies. Maintenant tu ne les battras que trois fois. Now you beat your enemies only tu three times. Tu ne battras les mois plus que trois fois. You will beat the boy by only three times. Rien que trois fois. Only three times. Do you know that lorsque vous êtes en présence d'un prophète, that when you are in the presence of a prophet, tout ce que vous faites, everything you do, devient des actions prophétiques, become prophetic acts. Lorsque vous êtes sous l'atmosphère, when you are under an atmosphere, un prophète est appelé par Dieu, and a prophet is appelé par Dieu. Faites attention. Be very careful. Faites très attention. Be very careful. Chaque acte, every act, chaque attitude, every attitude, peut devenir prophétique, can become prophetic. Et c'est la raison pour laquelle, and that's the reason, pendant que les couples ont dansé ce matin, why the couples dance, je déclare une restauration dans les couples au nom de Jésus. I declare a restoration in couples in Jesus. Je déclare une nouvelle visitation dans vos couples au nom de Jésus. I declare a new visitation to your couples in Jesus. Si tu dis amen, ça va t'arriver quand tu vas te marier. Et tu sors de l'âge, j'attends plus de mari. Elisha était indigné. Was angry. Je me suis demandé pourquoi le roi l'a frappé que trois fois. I asked, why did the king strike only three times? Il avait une faible vision. He had a weak vision. Oh, à cause de cet acte. But because of this act, il n'a pas eu la domination sur tous les Moabites. He didn't have dominion over the Moabites. C'est pour ça que la Bible dit. And that's what the Bible says. L'ennemi s'est mouru. That Elisha died. Et les Moabites envahissaient le territoire. And the Moabites invaded the territory. L'erreur que le roi avait fait, the error made by the king, a fait en sorte que les Moabites continuent à dominer le peuple. Make the Moabites to continue to dominate. Il y a des erreurs que les parents font. There are some errors made by parents. Ce sont les enfants qui souffrent. And the children suffer that. Il y a des erreurs que les gouvernants font. There are some errors made by governors. Et c'est le peuple qui souffre. And the people suffer for it. Il y a des erreurs que tes ancêtres ont fait. There are some errors made committed by ancestors. Et ça vient d'influencer ta famille. And it comes to influence your family. Ce matin, this morning, je déclare la délivrance à ta famille. I declare deliverance upon your family. Je déclare la
délivré dans ta famille. Si tu crois cela, dis amen. Shout amen. Tu ne vas pas souffrir. You shall not suffer. Les péchés que tes pères ont commis. Dans les filles, toi, tu ne vas pas souffrir. You shall not suffer. Les péchés que tes pères ont commis. Dans les filles, toi, tu ne vas pas souffrir. This morning, je coupe le cordon ombilical qui est le lien des anciens. Ombilical communique avec tes ancêtres. Je coupe. 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 Dis à ton voisin, je suis libre. Tel n'est pas un cri. Dis, je suis libre. C'est un cri. Il te sera fait selon ta foi. Chapitant qui a conduit. Jésus, il te sera fait selon ta foi. C'est chapitant qui a conduit. À cause de cette erreur, because of that mistake, les Moabites ont envahi le territoire. The Moabites invaded the land. Quelqu'un dit ouais. Somebody say ouais. Quelqu'un dit ouais. Somebody say ouais. La Bible dit. The Bible says. That because of this invasion, les cérémonies funéraires, the funeral services, n'étaient pas plus comme ça se passait avant. They did not happen the way it used to be before. On passait le temps à enterrer les gens en Israël. They spent time burying people in Israel. Parce que les Moabites étaient un peuple guerrier et dangereux. Because the Moabites were a warrior people and dangerous. Oh, but pendant qu'on enterrait quelqu'un, while they were to bury somebody, cette personne était morte. That person had died. Je ne sais pas de quoi la personne était morte. I don't know that which killed the person. C'est que je sais que celle était morte. But the only thing I know is that peut-être à cause de la guerre. Maybe because of the war. Peut-être c'était un Moabite. Maybe you was a Moabite. La question qui me préoccupe. But the question that preoccupies me. Est-ce que la personne avait accompli le but de Dieu pour sa vie avant de mourir? Is that that person accomplished God's purpose for him before death? Est-ce que la personne avait fini de faire ce que le roi de gloire l'avait désigné pour faire? Has that person finish the work the King of Glory has given to him in his life. Le cimetière est l'endroit le plus riche. The cemetery is the richest place. Parce qu'il y a des visions. Because there are visions. Qui n'ont jamais été accomplies. That have never been accomplished. Qui sont enterrées. That are buried. Il y a des livres. There are books. Qui n'ont jamais été écrits. That were never written. Qui sont enterrées. That are buried. Il y a des entreprises. There are enterprises. Qui n'ont jamais été créées. That were never created. Qui sont enterrées. Buried. Il y a des dons. There are dons. Qui n'ont jamais été manifestés. That were manifested. Qui sont enterrées. And they are all buried. Je suis venu dire à quelqu'un. I've come to tell something. Tu ne vas pas mourir avec tes dons. You shall not die with your dons. Tu ne vas pas mourir avec tes dons. Tu ne vas pas mourir avec tes talents. Les entreprises que tu devais créer vont être créées. Les livres qui devaient être écrits vont être écrits. La télévision et la radio que tu dois créer vont être créées. Je suis venu dire à quelqu'un que le diable ne te trompe pas. Tu ne vas pas mourir sans influencer cette génération. Dis à ton voisin, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je ne mourrai pas sans influencer ma génération. Plusieurs personnes, many people, sont morts, died avant leur temps. Before their time. Avant leur temps. Before their time. La Bible déclare. The Bible says. Que pendant qu'on l'enterrait. That while they went to bury. Pendant qu'on l'enterrait. While they were burying him. Ils ont découvert. They discovered. La même personne. The same person. A group of Moabites. A group of Moabites. Qui était en train d'approcher. That was coming. C'est sûr que les amis de cet homme. It's sure that the friends of this man avait préparé un cercueil, had prepared a coffin, avait préparé un endroit, they had prepared a place, et ils avaient bien fait, and they had arranged it very well, parce qu'ils aimaient leur ami, because they loved their friend. Ils ont dit allons là, and they said let's go and bury him. Et pendant qu'ils partaient l'enterrer, but as they were going to bury him, ils ont fait une erreur, they made a mistake. Ils n'avaient pas fermé le cercueil, they did not close the coffin. Ils n'avaient pas fermé le cercueil. They did not lock the coffin. Dis à ton voisin. Tell your neighbor. Ils n'avaient pas fermé le cercueil. They did not lock the coffin. J'aime ce que Dieu dit. I love what God says. J'aime la stupidité du diable. I love the stupidity of the devil. Il y a toujours une erreur que le diable fait. Always an error that the devil makes. Il y a toujours une erreur que le diable
perdu Jésus. Mais il avait oublié. But he had forgotten the family to lock the coffin. Pendant que ses amis sont partis, while his friends went, ma Bible déclare, my Bible says, les ennemis, that the enemies, il avait tué, that killed, les Moabites, the Moabites, il avait tué, that killed him, sont apparus, they appeared, et les ennemis, les amis ont eu peur de mourir, and the friends were afraid to die. Ils ont abandonné le secret, they abandoned the coffin, et puisque le secret n'était pas fermé, and since the coffin was not closed, the coffin rolled, et il est tombé sur le tombeau d'Élisée, and fell on Elisha's grave. Et dès qu'il a touché le son d'Élisée, and as soon as he touched the pole, la résurrection est arrivée. Resurrection came. La résurrection est arrivée. Resurrection came. Écoutez bien ce que la Bible dit. Listen carefully what the Bible says. La Bible dit, the Bible says, pendant qu'ils étaient en train de l'enterrer, while they were burying him, pendant qu'ils étaient en train de l'enterrer, as they were burying him, avec un cercueil ouvert, with an open coffin, la bande de Moabites est arrivée. While the Moabites came, et accidentellement, and accidentally, ça veut dire que ce n'était pas prévu. That means this was not planned for. Quelque chose a perturbé les cérémonies funéraires. Something troubled the burial service. Je suis venu dire à quelqu'un, I come to tell somebody, les cérémonies funéraires seront perturbées. Your funeral service can be troubled. On a décidé d'enterrer ton argent. They decided to bury your money. On a mis ton argent dans un cercueil. Your money has been put in. Et on a dit que tu ne seras jamais riche. And they said you shall never be rich. Et ils sont en train d'aller enterrer cela. And they are taking to bury. Ce matin, this morning, il y aura perturbation. There shall be trouble. Il y aura perturbation. There shall be disturbance. Il y aura perturbation. There shall be disturbance. Si tu crois cela, dis amen. Je te prie de chanter amen. Dis amen. Chante amen. Je m'en fous de ce qu'ils ont déjà fait. I don't care what they've already done. Les chanteurs en plus riche, but I can't sound. Chanteurs en plus riche, I can't sound. Chanteurs en plus riche, I can't sound. Tu vas pas utiliser tes ennemis. God shall use your enemies. Pour confondre tes amis, to confound your friends. Lorsque Dieu utilise les ennemis, when God uses your enemies, pour confondre les amis, to confound your friends. La qualité de bénédiction qui va descendre dans ta vie, c'est quoi ton blessing dans le camp pour toi? Mais tes amis seront confondus. Even your friends shall be confounded. J'ai dit que tes amis seront confondus. I say your friends shall be confounded. La personne qui dit amen reçoit ça le premier. Quelqu'un qui est accidentellement, somebody say accidentally, c'est accidentellement, c'est accidentally. Je vois un miracle arriver dans ta vie accidentellement. Je vois une bénédiction arriver accidentellement. I see God visiting accidentally. Je vois Dieu te visiter accidentellement. I see God visiting accidentally. Ça veut dire quoi accidentellement? What does it mean accidentally? Ça veut dire que ce n'était pas prévu. It means it was on ne s'attendait pas. Nobody. Ce n'était pas programmé. It was not set. Ce n'était pas dans l'agenda. It wasn't in the agenda. Parce que Dieu. Because God is au-dessus des agendas. Parce que Dieu, because God, pour les circonstances, ton mariage tiendra accidentellement. Personne ne va s'attendre. Personne ne va s'attendre. Et tu vas voir un gars, un frère comme le pasteur de l'Europe. Tu vas voir une soeur. Tu vas voir quelqu'un arriver. Et tes affaires vont prendre un autre envol. Et ton ministère va prendre un autre envol. Le soir, le soleil. Quelqu'un dit accidentellement. Somebody say accidentally. Dis accidentellement. C'est accidentally. Peut-être ton mariage a vu d'aller à la déroute. Mais puis, the marriage is going in. Mais il y a un accident qui est sur le point de se passer. But there's an accident about to take place. Le mariage qui allait comme ça. The marriage that was going like this. Pouf. Pouf. Tes études sont en train d'aller en bas. Your studies are going down. Mais il y aura un accident dans les connexions des nôtres. But there shall be an accident in the connection of mine. Dans la connexion de notre échappé, je te vois valider au nom de Jésus. Je te vois résoudre au nom de Jésus. Je te vois résoudre au nom de Jésus. Je te vois résoudre au nom de Jésus. Cet homme était mort. This man died. Et il n'y avait plus de soupe. And there was no way for him. Mais pendant que les Moabites venaient, but why the Moabites come? Ce qui a occasionné
that which occasioned was that a occasionné sa résurrection. God about his resurrection. C'est qui a occasionné sa perte. That which brought about his loss. A occasionné son salut. God his salvation. Je suis venu dire à quelqu'un. I came to tell somebody. Peut-être il y a quelqu'un qui t'a fait être en bas. Maybe somebody brought you down. Peut-être il y a quelqu'un qui a fait tout pour que ta vie ne marche pas. Maybe somebody told you to turn your life around. La même personne, Dieu va l'utiliser pour te propulser. God will use that person to prepare you up. Je dis, I said. Je dis, I said. Je dis, I said. Dieu va utiliser les circonstances de ta vie. Pour te propulser dans les hauteurs. God shall use your life circumstances to propel you up. Le soir, c'est là où on est. Jésus, dans le nom de Jésus. Accidentally. Cet homme. This man. Fut propulsé. Was propelled. On le portait. They were carrying him. Et pendant qu'on porte pour attirer. And they were carrying him to bury. Pendant qu'on porte pour attirer. As they carry to bury. On voit les moabites. Ils sont moabites. Le gars dit quoi? Ses amis. His friends. Qui avait tout préparé. Who prepared all. Le gars c'est déjà mort. C'est le gars qui est dead. Nous aussi maintenant on met qui va nous enterrer. Là il veut dire vous bury us. Sauve qui peut. Save the soul. Sauve qui peut. Et ils ont commencé à fuir. And they were running. Mais pendant que ses amis. But while his friends. L'ont abandonné. Abandonné. C'est à ce moment. Et dès que l'onction l'a retrouvé. That the anointing met him. C'est quand les seules personnes. It's when the only person. Qui pouvait nous donner des funérailles dignes. That could keep it a worthy ceremony. L'ont abandonné. Abandonné. Que sa résurrection est arrivée. That is the resurrection came. La Bible déclare. The Bible says. Dans Esaïe. In Isaiah. La mort du roi Ozias. At the death of King Ozias. J'ai vu le Seigneur. I saw the Lord. C'est quand Ozias est mort. It's when Ozias died. Esaïe a vu le Seigneur. That Isaiah saw the Lord. Parfois. At times. Il faut que les gens t'abandonnent. People need to abandon you. Dieu te récupère. So that God will cover you. David a dit. Je préfère tomber entre les mains de Dieu. I prefer to fall into the hands of God. Tomber entre les mains de l'homme. Than to fall into the hands of man. Je suis venu dire à quelqu'un. I came to tell someone. Si on a refusé de payer ta pension. That they refuse to pay your debt. Si on a refusé de te donner tes droits. Even if they refuse to give your rights. Si ton nom et ton tuteur t'appartient. Even if your uncle and your tuteur t'appartient. Mais ne pleure pas. Don't complain. Quand tes amis t'abandonnent. Even friends can abandon. Le Dieu du ciel te récupère. The God of heaven will come back. Je vais parler maintenant prophétiquement. I want to speak now prophetically. Partout dans ta vie. Everywhere. Où les gens t'ont laissé à toi-même. Where people abandoned you. Je vois la main de Dieu te récupérer. I see the hand of God recovering. Je vois la main de Dieu te récupérer. I see the hand of God recovering. Je vois la main de Dieu te récupérer. I see the hand of God recovering. Partout où les gens ont dit il n'y a plus d'espoir. Wherever people said there's no hope. Ce matin. This morning. Sous l'onction prophétique. Under the prophetic anointing. Je déclare l'espoir dans ta vie. I declare hope in your life. Je déclare l'espoir dans ta vie. Si tu crois cela, crie Amen. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Ses amis. His friends. Ses amis fidèles. His faithful friends. Face à la mort. Face to death. On fait le Ben Johnson. Mais Ben Johnson. Ils ont pétardé. And ran away. Et quand personne n'était plus avec lui. And when nobody was again with him. Dieu l'a récupéré. I can't recover him. Je ne sais pas qui tu es. I don't know where je ne connais pas le fait médical sur ta vie. I don't know the medical fait sur ta vie. Quand les hommes ici ne peuvent plus rien. Well, men say they can't do anything. Ce matin, this morning, Dieu va faire quelque chose qui va confondre la médecine dans ta vie au nom de Jésus. God shall do something to confound medicine in your life. Vous voyez que je parle à quelqu'un ici. I thought I was talking to somebody. Vous voyez que je parle à quelqu'un ici. I thought I was talking to somebody. Est-ce que tu sais que parfois? Do you know that at times? Amis peuvent t'empêcher de recevoir ton miracle. Even your friends can stop you from receiving your miracle. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. It's not that they don't want you. Mais c'est que, but it's just par une compassion naturelle, a natural compassion, ils t'empêchent de recevoir ce que tu avais prévu pour toi. They hinder you from receiving what God prepared for you. Ces ennemis voulaient l'enterrer. These enemies wanted to bury him. C'est dangereux. That's why it's dangerous. De marcher avec les gens qui n'ont pas une vision prophétique.
To walk with people without a prophetic vision. Ils vont te juger si ce que tu es dans le présent. They will judge you on what you are present. Ils ne pourront pas voir si ce que tu es dans l'avenir. But they shall not be able to see what you will be in the future. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? I talk to somebody. Imaginez parlant Obama aux États-Unis. Just imagine the presence of Obama. On ne voyait qu'un simple noir. They will see just the black. Imagine les gens l'insultaient. Imagine how people insulted. Est-ce que vous savez que son père avait abandonné sa mère? Do you know that his father abandoned his mother? Il était encore tout petit. When he was still very small. Imaginez. Just imagine. Le père qui n'avait pas une vision prophétique de son enfant. A father without a prophetic vision for his child. C'est dangereux de marcher avec les gens. It's dangerous to walk with people. Ils ne connaissent pas la vision de Dieu sur ton avenir. Who don't know God's vision about your future? Ces gens-là vont t'enterrer avant le temps. Those people will bury you before your time. Quelqu'un dit je me sépare. Somebody says I sépare myself. Quelqu'un dit je me sépare. Somebody says I sépare myself. Quelqu'un dit je me sépare. Somebody says I sépare myself. Ces trois amis, these three friends, ont porté le cadavre pour aller l'enterrer. Carry the coffin to bury him. Parce qu'il n'avait pas la vision comme la but pour lequel tu avais pris cet homme n'était pas encore accompli. Because they didn't have the vision of what God had made a man for. Mais je suis venu dire à quelqu'un. But I came to tell someone. Les amis qui voulaient t'enterrer. Those friends who wanted to bury you. Vont être surpris par tes ennemis. Shall be surprised by your enemies. Jésus dit vont être surpris par tes ennemis. I said they shall be surprised by your enemies. Ils vont être surpris par tes ennemis. They shall be surprised by your enemies. Cercueil ouvert. An open coffin. Un cercueil ouvert. An open coffin. C'est bon. It's good. Car la Bible déclare. But the Bible says. J'ai mis devant toi une porte ouverte. I put ahead of you an open door. Et la Bible déclare. And the Bible says. Qu'il est merveilleux de marcher sous les cieux. That it's wonderful to walk under open heavens. C'est quand les cieux s'ouvrent. It's when the heavens are open. L'impossible devient possible. That the impossible becomes possible. C'est quand les cieux s'ouvrent. When the heavens open. Ton problème devient promotion. That your problem becomes c'est your promotion. C'est quand les cieux s'ouvrent. It's when the heavens open. La mort devient la résurrection. That death becomes resurrection. Les cieux s'ouvrent. Open heaven. Les cieux ouverts. Open heaven. Je suis venu avec la parole de Dieu. I came with God's word. Pour dire à un frère. To tell a brother. Que tu ne mourras pas avant ton temps. That you shall not die before your time. Je suis venu dire à une soeur. I come to tell a sister. Je m'en fous du cancer qu'on a diagnostiqué. I don't care what they talk about. Je m'en fous des problèmes qu'on a diagnostiqué. I don't care about the problem diagnosed. Les médecins me disent. Mais docteur, tell me que si je ne continue à vivre comme ça, that you keep on living like je ne vais pas vivre longtemps. I will not live for long. Je leur ai demandé I asked them, pourquoi ils disent cela. Why did he say that? Je ne respecte pas les lois naturelles. I said because I don't respect natural laws. Je leur ai posé la question. I asked them a question. Est-ce qu'ils ont vu quelque chose de naturel en moi? Have they seen anything natural in me? Pour que je respecte les lois naturelles. So that I respect natural laws. La Bible déclare. The Bible says que je suis né d'en haut. That I'm born from above. Que je suis la tête et non la queue. Que je suis devant et non que la divinité habite en moi. That the Godhead dwells in me. Dis à ton voisin, regarde-moi bien. Tell your neighbor, look at me very well. Dis, regarde-moi bien. To look at me very well. Il est mort. He died. Mais parce que ce n'était pas son temps. But because it was la résurrection est arrivée. Resurrection came. La résurrection est arrivée. Resurrection came. Je prophétise la résurrection. I prophesy. Je prophétise la résurrection. Je prophétise la résurrection. Je prophétise la résurrection. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Mais pourquoi les gens donc meurent avant le temps? But why do people die then before the time? Pourquoi les gens meurent avant le temps? Why do people die before the time? Je vais vous donner 5 raisons. Let me give you 5 reasons. Premièrement. Firstly, les gens meurent avant le temps. People die ahead of time. Parce qu'ils changent de but. Because they change their goals. Ils changent le but de leur existence. They change the goals of their existence. Dieu les a créés pour faire quelque chose. God created them to do something. Mais ils se retrouvent à faire autre chose. But they find themselves doing par another conséquent, consequently, ils ne sont plus dans le timing de Dieu. They are no more in God's timing. Alors le diable peut faire de ce qu'il veut. So the devil can make them whatever he wants. Les gens meurent avant le temps. People die ahead of time. Parce qu'ils changent de but. Because they change their goals. Dans Matthieu chapitre 14. In Matthew chapter 14. Verset 25 à 31. Verses 25 to 31. Une question de l'histoire de Pierre marchant sur les eaux. A question of Peter walking on the water. Lorsqu'il est resté fixé sur Jésus. When he remained focused on Jesus. Marchait sur les eaux. He was walking on the water. Dès qu'il a détourné ses
ses yeux. But as soon as he turned his head, il a changé de but. As soon as he changed his focus, il a changé de but. As soon as he changed his focus, il a commencé à s'enfoncer. He started sinking. Si ce n'était la grâce de Dieu, except God's grace, Pierre serait mort le jour là. Peter would have died on that day. Pas parce que c'était le temps de Dieu, not because he was God's mais time, parce qu'il avait changé de but. But because he had changed his goal. Samson est mort. Samson died. Parce qu'il a changé de but. Because he changed his goal. Deuxième raison pour laquelle les gens meurent avant le temps. Second reason for which people die before the time. Deuxième raison pour laquelle les gens meurent avant le temps. Second reason for which people die before the time. À cause des malédictions prononcées. Because of curses pronounced. La malédiction de la mort. The curse of death. La malédiction de la mort. The curse of death. Dans Proverbe 26, verset 2. Proverbs 26, verse 2. La Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. The Bible says a curse without a cause has no effect. Mais plusieurs malédictions agissent dans les vies des gens. But many curses move in people's lives. Parce qu'il y a des causes. Because there are causes. Des causes qui ont été posées par les parents. Causes placed by their parents. Par leurs grands-parents. By their grandparents. Ou par toute autre personne. Or by any other person. En Afrique, il y a particulièrement les noms qu'on donne aux gens. In Africa, there is particularly names given to people. Ces noms sont le plus souvent des malédictions. Those names, most of the time, are curses. Ma père nous a donné le nom de Nunga. A father gave us the name Nunga. Ma famille, c'est la famille Nunga. My family is the Nunga family. Ça veut dire Nunga, les affaires me font. Nunga means business is doing me. Les affaires me font, ce n'est pas moi qui fais les affaires. I don't do business but business. C'est pour ça que personne dans ma famille ne fait les affaires et réussit. That's why nobody succeeds in business in my family. Personne. Nobody. Presque tous sont des enseignants. Almost all are teachers. Lorsque j'ai découvert cela, when I discovered, moi-même j'ai fait les affaires, ça ne faisait que fermer. Myself, I tried business, it kept going. C'est ma femme qui fait les affaires, ça marche. But when my wife does business, she works. J'ai décidé d'aller devant le Seigneur. I decided to go to et mon nom a changé. And my name was changed. Je ne dis pas non. It's now done. Je fais les affaires. I do business. Je déclare ton nom changé au nom de Jésus. I declare to you a change from the Jesus. Je déclare ton nom changé au nom de Jésus. I declare a change from the name of Jesus. Que Dieu t'aime. Somebody shout amen. Les malédictions. Curses. Les malédictions. Curses. Il y a un nom dans la Bible. There is a name in the Bible. Qu'on appelle Yael de Bethel. That is called Yael de Bethel. Yael de Bethel. Yael de Bethel. Lorsque Josué avait conquis Jéricho. When Joshua conquered Jericho. Il avait dit. He said. The one who rebuilt Jericho posera la fondation sur la mort de son premier fils. Shall place the foundation at the death of his first son. Et posera et finira la toiture sur la mort de son dernier fils. And shall finish the roof at the death of his last son. Mais si tu donnais dans Josué le chapitre 6, le verset 26. This chapter, this prophet was given in Joshua 6, 26. Et dans un roi chapitre 6. And in 1 Kings chapter 10. Dans un roi chapitre 16. In 1 Kings chapter 6. La Bible parle des histoires de hier. The Bible talks about the story of Pierre. Il a décidé de partir Jéricho. Who decided to rebuild Jéricho. Des centaines d'années après. Hundreds of years later. Il n'était pas au courant de la prophétie. He didn't know the prophecy. Mais cependant. But meanwhile. L'ignorance n'a pas été synonyme de justification. Ignorance was not synonymous with justification. Parce que mon peuple périt par ignorance. My people perish for lack of knowledge. Il a péri. He perished. Il a posé la fondation sur son premier fils. He placed the foundation on his first son. Et il a fini sur son dernier fils. And he finished it with his last. La troisième chose. The third thing. Qui amène les gens à mourir avant le temps. That brings people to die ahead of time. Avant d'arriver à cette troisième chose. Because toute malédiction de mort. Every curse of death. Qui a été prononcée sur ta famille. Pronounced on your family. J'enlève cela au nom de Jésus. J'enlève cela au nom de Jésus. J'enlève cela au nom de Jésus. Il y a des gens qui se maudissent eux-mêmes. There are some people who curse themselves. Je sens que je vais avoir le cancer. I feel that I will have cancer. Le mot de tête, ça ressemble à un cancer. This thing that looks like a cancer, it is it. Le foie, ça ressemble à un palud sévère. This cold looks like. Pourquoi tu te maudis toi-même? Why do you curse yourself? Je sens que je risque de ne pas me marier. I feel I may never be married again. C'est comme si mes enfants ne vont jamais réussir. It's like my children will never succeed. Toute la Bible dit. The Bible says. Dans Deutéronome. Deutéronome. Dieu dit au peuple d'Israël. God tells the people. Je vous ferai selon les paroles qui sont parvenues jusqu'à mes oreilles.
I'll do to you according to what that came right to my Ça veut dire quoi? What does it mean? Que Dieu va te juger selon comment tu te présentes devant lui. That God will judge you based on how you present yourself. Et tes espions ont dit, nous sommes allés sur comme les sauterelles. The ten spies said we are like grasshoppers. Dieu les a rendus comme les sauterelles. And God made them to become like grasshoppers. Josué et Caleb ont dit jamais. Joseph and Caleb said no. Nous qui sommes les géants, we are the giants. Parce que Dieu est de notre côté. Because God is on our side. Dieu a plutôt changé et c'est eux qui sont devenus les sauterelles pour Josué et Caleb. And God changed and they became grasshoppers. Joshua. La parole qui sort de ta bouche, the word that you speak, est capable de créer ta destinée. It's capable of creating your destiny. Amen. La parole qui sort de ta bouche, the word that comes out of your mouth, détermine la condition de ta vie. Determine your life condition. Je suis pauvre, je suis pauvre. Tu vas continuer à être pauvre. You keep on being poor. On dit contribution, je n'ai rien. Tu n'auras toujours rien. Mais c'est la contribution, attends. You keep on having nothing. Ce matin, this morning, en tant que ton pasteur, as your pastor, toute malédiction qui a été prononcée sur ta propre vie, every curse placed on your life, consciemment ou inconsciemment, consciously or unconsciously, je coupe cela au nom de Jésus. Quelqu'un fait comme ça. Somebody do this. Oh, un seul geste. Just one gesture. Ça veut dire quoi? What does it mean? Toutes les paroles négatives qui planaient sur ta tête. Every negative word that was part of my head. Et qui te poursuivait. And that was following you. Qu'est-ce que tu fais? What do you do? Qu'est-ce que tu fais? What do you do? Qu'est-ce que tu fais? Et tu mets ça où? And where do you put it? Et tu mets ça où? Where do you place it? Projetez ça en affaire au nom de Jésus. Casting to the name of Jesus. Je te déclare libre. I set you free. Je te déclare libre. I declare you free. Des paroles négatives. Not... Je te déclare libre. I declare you free. Des paroles négatives. Negative words. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Troisième chose. That thing. Le péché. Sin. Le péché amène les gens à mourir avant le temps. Sin makes people to die before their time. Akan est mort avant son temps. Akan died before his time. Parce qu'il a vu que l'or et l'argent. Because he saw only gold and silver. Était plus important que sa relation avec Dieu. They were more important than his relation with God. Dans Josué chapitre 7. Josué 7. In Joshua chapter 7. Ananias et Sapphira. Ananias and Sapphira. Sont morts avant le temps. Died before time. Acte chapitre 5. Acts chapter 5. Il y a des cas dans les saintes écritures. There are cases in the Holy Scriptures. À cause de leur péché. Who because of their sin. De cupidité. Of greed. D'immoralité. Of immorality. De fausseté. Of false. D'alcoolisme. Of alcoholism. De tabagisme. Of tobacco. Toute personne qui boit la bière. Any person that drinks beer. Est un malade mental. Is a mental deranged person. Même si tu veux tu bois un peu. Even if you say you drink just a bit. Tu es malade. You are sick. Tu es malade mental. You are mental. Je doute fort que tu es vraiment cru. I doubt very much if you really believe. Je doute que tu es cru. I doubt your belief. Parce que quelqu'un ne peut pas avoir le Saint-Esprit et mettre l'alcool dedans. Because you cannot have the Holy Ghost and you put alcohol in it. Dis à ton voisin, c'est à toi qui parle. Tell your neighbor he's talking to you. Dis c'est à toi qui parle. Tell your neighbor he's talking to you. Le péché. Si paralyse tes potentiels, your potential, handicap, it handicap ta destinée, your destiny, et raccourci, and shorten ton existence, your existence. Quelqu'un dit ouais. Somebody say ouais. Quelqu'un dit ouais. Somebody say ouais. Combien de genoux, how many genesis, sont finis de zéro, die zeros, à cause du péché, because of sin. Combien de potentialités? How many potentials? Sont morts incognito. Died unknown. À cause du péché. Because of sin. Frère! Brothers! Si tu n'arrêtes pas le péché, if you don't stop it, le péché va t'arrêter. Sin shall stop you. Si tu n'arrêtes pas le péché, if you don't stop sinning, le péché va t'arrêter. Sin shall stop you. Ce matin, this morning, quel que soit le péché qui gouvernait ta vie, whatever be the sin that was governing your life, je te tuais dans le nom de Jésus. J'active la loi de l'esprit de vie. I quicken the law of the spirit of life. J'active la loi de l'esprit de vie. I quicken the law of the spirit of life. Et je déclare ta dominion sur le péché. And I quicken ta dominion sur le péché. 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 Oh non, le Jésus. Jesus. La quatrième chose pour laquelle les gens meurent avant le temps,
Ce sont les murmures et les plaintes. There are murmurs and complaints. Murmures et plaintes. Murmuring and complaints. C'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes ont les maux d'estomac, ont les maux cardiaques, ont les problèmes internes. The reason why many women have gastric ulcers, cardiac problems, internal problems. Les murmures et les plaintes. Murmurs and complaints. Empoisonnent l'existence. They poison your existence. Les murmures et les plaintes. Murmurs and complaints. Empoisonnent l'existence. Poison the existence. Deutéronome 1, 34, 36. Deutéronome chapter 1, 34. À cause de vos murmures. Because of your murmurs. À cause de vos plaintes. Because of your complaints. Dieu dit, vous n'entrerez pas dans la terre promise. God says you shall not enter the promise. Et vous allez tourner 40 ans dans le désert. And you turn for 40 years in the wilderness. Frère, quel est le langage de ta bouche? What? How do you look like? Ceux qui me connaissent savent que je suis très positif. Those who know me know that I'm very positive. Je ne parle jamais de négatif. I never talk about the negative. Je vois toujours le positif. I always see the positive. Même au milieu des problèmes. Even in the midst of problems. Je vois le miracle. I see miracle. Et ce que tu vois, c'est ce que tu obtiens. And what you see is what you can obtain. Les murmures, les plaintes, complaints. Beaucoup de femmes tuent leur mari. Many women kill their husbands. À cause des paroles de leur bouche. Because of the words of their mouth. Beaucoup de parents hypothèquent l'avenir de leur enfant. Many parents put the future of their children at stake. À cause des paroles de leur bouche. Because of the words of their mouth. Beaucoup d'enfants raccourcissent leur existence. Many children shorten their existence. À cause des paroles négatives qu'ils prononcent contre leurs parents. Because of the negative words pronounced against their parents. J'avais une maman qu'on appelait indienne. I had a mother called Indian. On l'appelait indienne. Called her Indian. Je ne connais pas quel surnom que tu donnes à ta mère. I don't know which tu donnes à ton père. To your father. Mais est-ce que c'est une connotation positive? But does it have a positive connotation? Quelqu'un dit Somebody said Quelqu'un dit Somebody said Change ta façon de parler. Change the way you talk. Et Dieu changera ta vie. And God shall change your life. La dernière chose. The last thing. C'est le refus de donner gloire à Dieu. Is refusal to give glory to God. Plusieurs meurent. Many people die. Parce qu'ils ne veulent pas rendre la gloire à Dieu. Because they don't want to give the glory to Ma God. Ma Bible parle de Hérode. The Bible talks about Hérode. Acte chapitre 12. Acte chapitre 12. Le verset 21 et 23. Verses 21 and 22. Il est mort. He is dead. Parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. He died because he never gave glory to God. Dieu te fait quelque chose. God does something et to you. Et tu prends la gloire. And you take the glory. Alors tu raccourcis ton existence. Then you shorten your existence. Abraham a donné la gloire à Dieu. Abraham gave glory to God. Abraham. Sorry. Learn to give glory to God. Parce que plus tu donnes la gloire à Dieu. Because the more glory you give to God. Plus tu prolonges ton existence. The more you prolong your existence. Plus tu donnes la gloire à Dieu. The more you give glory to God. Plus tu prolonges ton existence. The more you extend your existence. Ce matin. This morning. Je veux que tu acclames de manière spéciale en signe que tu donnes gloire à Dieu. I want you to clap in a special way as a sign. Yes. Donne la gloire. Donne la gloire. Give him glory. Give him la gloire. You deserve the glory. Pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. For all that he gives you. Tu ne mérites de rien. You don't deserve the glory. Tu ne mérites de rien. You don't deserve the glory. C'est toi qui mérites la gloire. You don't deserve the glory. Quelqu'un dit amen. Somebody shout amen. Quelqu'un dit alléluia. Somebody say alléluia. Let's get started. Je ne sais pas finir en disant. Let me finish by saying. Comment est-ce que tu peux faire? How can you do? Comment est-ce que tu peux faire? How can you do? Pour t'assurer que tu ne meurs pas avant ton temps. To make sure that you don't die ahead of your time. Je vous ai dit pourquoi les gens meurent avant le temps. I told you why people die. Mais là, je vais vous dire quelques secrets. Now I'm going to give you a few pour t'assurer. To make sure. Que tu ne meurs pas avant ton temps. That you don't die before your time. Je ne mourrai pas avant mon temps. Amen. I shall not die before my time. Par quel miracle? By which miracle? Mangez-moi dans le sang là.
Eat up in Pamela. Eh, mon Jésus va vous manger. And my Jesus will eat you up. Il y a des gens qui ne meurent pas facilement. There are people who don't easily die. Pour qu'ils meurent, il faut qu'il y ait un congrès au ciel. For them to die, they need to be a complete congrès. Il faut une assemblée extraordinaire. There need to be an assembly, an ordinary assembly. Extraordinary assembly. In the ordinary. I am in the extra. So it's extraordinary, not the ordinary. Was that an extra? Tell your neighbor an extra. C'est un extra. C'est un extra. Vous savez que le naturel, c'est comme le surnaturel. You know the natural is like supernatural. La seule différence, c'est qu'il y a un sou. The only difference is that there's a sou. But le naturel, surnaturel, c'est la même chose. Natural and supernatural are the same thing. Mais la seule différence, c'est qu'on a mis un sou. The only difference is that there's a sou. Donc si tu fais un peu de sou, tu entres dans le surnaturel. So if you go a bit above, you enter the sou. L'ordinaire et l'extraordinaire, c'est la même chose. Ordinaire et extraordinaire are the same. La seule différence, c'est qu'il y a un extra. The difference is that there's an extra. Donc si tu vas entrer dans l'extraordinaire, so if you want to enter the extraordinary, prends l'ordinaire, take the ordinary, et fais seulement le extra, and just make the extra. Fais seulement le extra. Just make the extra. Dis à ton voisin, je fais le extra. Tell your neighbor, I'm making the extra. Dans ma vie de prière, in my prayer life. Dans ma vie de jeûne, in my fasting life. Dans ma vie de consécration, in my consecration life. Dans mes affaires, in my business. Dans ma famille, in my family. Et tu deviens extraordinaire. Allez, viens, Esprit de Dieu. Fais-nous sentir ta présence pleine d'amour et de force. Donne à l'âme abattue une nouvelle fraîcheur. Descends, oh, pluie abondante, coule à flot dans notre vie. Comme le chant de You must know your God and His plan for you. Connais ton Dieu et ses desseins pour ta vie. Know your God and His plan for your life. Es-tu, sais-tu ce que tu étais créé pour faire? Do you know why you were created? God, on parle de l'histoire d'un homme qui arrive au paradis. They talk about the story of the man who came to paradise. Il avait appris que Simon Pierre, l'apôtre. You heard that Simon Peter, l'apôtre, avait une connaissance panoramique globale. Had a global panoramic knowledge sur du monde. On the story of the world. Alors il est allé voir l'apôtre Pierre. So he went to l'apôtre Pierre. Et il a dit, j'ai une question à te poser. And I said, I have a question to you. L'apôtre Pierre dit, voici mon fils. The apostle Peter said, behold my son. Dis-moi quel était le plus grand général tout le temps. Somebody was the greatest general. Dis-moi. Tell me, who was the greatest general of all the ages? Pierre réfléchit. Pierre regarde. Il après, tu vois l'homme qui est là-bas. He said, do you see that man there? Il est parti là. You went and looked. Il dit oui. He said yes. Il dit voilà le plus grand général de tout le temps. That is the greatest general of all the time. Il va regarder l'homme. You went and looked at him. Il dit mais je te connais. He said but I know you. Il dit oh Pierre, tu t'es trompé. He said oh Peter, you made a mistake. Il dit pourquoi? He said why? Il dit je connais l'homme là, il était dans mon quartier. He said I know that man, he was in my quarter. Il était un cultivateur. He was just a farmer. Dit avant, Peter said so. Il dit oui. He said yes. Si c'est vrai. He said true. Il dit mais pourquoi tu as l'air que c'est le plus grand général? He said why do you say he's the greatest general? Dans l'agenda du ciel. Peter said in heaven's agenda. Il était sur
supposé devenir le plus grand général de tous les temps. He was supposed to be the greatest general of all the time. S'il était entré dans l'armée, if he had entered the army, il serait devenu le plus grand général. He would have become the greatest general. Mais comme il est resté dans les champs, but because he remained in the il est resté le plus pauvre cultivateur. He remained the poorest farmer. Quand tu ne connais pas la raison pour laquelle tu as été créé, when you don't know the reason why you were created, tu ne peux pas vivre une vie d'excellence. You can't live a life of excellence. Tu ne peux pas devenir ce que Dieu veut que tu sois. You cannot become what God wants you to become. Certains d'entre vous sont même écoutés. Some of you are here listening to me. Et Dieu les appelle à devenir pasteur. And God is calling them to be pastors. Mais ils sont résistés. And they are resisting. D'autres Dieu les appelle. Oh, that God is calling. À devenir diplomate. To be diplomate. Je ne connais pas quel est ton appel. I don't know what your call is. Mais puisque tu existes ce matin. But since you are here this morning. Et puisque tu m'écoutes ce matin. And because you are listening to me this morning. Je déclare. I declare. Même là où tu es en train d'aller de l'autre côté. That way you are going the other way. Je t'attache avec les liens du Saint-Esprit. I bind you with the bonds of the Holy Spirit. Et je te ramène dans le plan de Dieu. And I bring you back into God's plan. Je te ramène dans le plan de Dieu. Déjà. Even if you're going astray already, j'ai créé une voie d'ici. I create a way out. J'ai créé une voie de secours. I make a way out. Il te ramène dans le plan de Dieu. I bring you back into God's plan. Si tu reçois cela, dis amen. Et que nous y t'achètes amen. Si tu reçois cela, dis amen. Et que nous y t'achètes amen. La deuxième chose, the second thing, c'est que tu dois prioriser ta vie selon le dessein de Dieu. Is that you must prioritize your life according to God's plan. Tu dois prioriser ta vie. You must make priorities in your life. C'est-à-dire quoi? What does it mean? Pour vivre à vivre jusqu'à ton temps. To live like your expected time. Tu dois connaître les priorités de ta vie. You must know the priorities of your life. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Seek it first, the kingdom of God and et toutes choses vous seront données par Dieu. And every other thing shall be given to you. Quelle est la priorité de ta vie? Which is the priority of your life? Toute créature, c'est Dieu d'abord. For every creature is God first. Le créateur, the creator. Il est l'alpha et l'oméga. He is the alpha le commencement et la fin. The beginning and the end. Il est le premier né parmi plusieurs frères. He is the firstborn among many brethren. Et c'est la raison pour laquelle. And that's the reason why. Tu dois lui donner la priorité dans ta vie. You must give the priority in your life. Comment faire pour savoir que quelque chose occupe la priorité dans ta vie? How do you know that something takes the priority in your life? Pose-toi la question. Ask yourself the question. Quand je me lève le matin, when I get up in the morning, quelle est la première pensée qui me traverse? Which is the first idea I have in my mind? Pendant la journée, during the day, quel est l'élément qui me préoccupe? Which is the preoccupying element? Et quand je vais dormir, and when I go to sleep, quelle est la chose sur laquelle je vais rêver? Which is the thing I dream about? C'est cette chose-là qui est la priorité de ta vie. It is that thing that is the priority of your life. Après Dieu, c'est ta famille. After God is your family. Amen. Comment tu prends soin de ta famille? How do you take care of your family? Comment tu prends soin de ton conjoint? How do you take care of your partner? Comment tu prends soin de tes enfants et tes parents? How do you take care of your children and parents? Et après cela, viens ton travail et ainsi de suite. And after that comes your job and all the other things. Parce que c'est à la sueur de ton front. Because it's at the sweat of your brow. Quand tu dois manger. That you shall eat. Et c'est la raison pour laquelle quand je prêche, je transpire beaucoup. That's why when I preach, I sweat a lot. Parce que chaque goutte de sueur qui tombe me fait manger. Because every sweat that drops causes me to eat. C'est à la sueur de ton front que tu dois manger. It's at the sweat of your brow that you shall eat. Et quand je transpire beaucoup en prêchant. And since I preach a lot, why preach? C'est normal que je mange beaucoup. I sweat a lot as I preach. That's why I eat much. Je vois mon salaire augmenter au nom de Jésus. I see my salary increase in Jesus. Hey, je prophétise sur moi, my prophétie. Je vois mon salaire augmenter au nom de Jésus. I see my salary increase in Jesus. Quelqu'un qui croit cela, dans le comité financier, disait amen. Quand on est venu dans une panne, il fallait qu'on me dise amen. Oh, j'aime Jésus. I love Jesus. Je vous ai donné la parole pour pouvoir dire en secret ce qu'on dit. Il y a deux raisons pour que tu sais ce que tu vois. Dis à ton voisin, prioritarise ta vie. Tell your neighbor, prioritize your life. Dis, prioritarise ta vie. Prioritize your life. Troisièmement, Daddy, tu dois vivre pour servir. You must live to serve. Yes. Tu dois vivre pour servir. You must live to serve. La vie n'a
de sens et d'importance. Life is only meaningful and important. Que lorsqu'elle est placée pour servir les autres. When it is placed at the service of others. Lorsque tu vis pour toi-même. When you live for yourself. Tu vas mourir frustré. You die frustrated. Parce que le bonheur. Because happiness. Ne se reçoit que lorsqu'on le donne. Is only received when it is given. On expérimente le bonheur que lorsqu'on le donne. You experience joy when you give. On expérimente la joie que lorsqu'on la procure. You experience joy when you give it out. On expérimente la paix que lorsqu'on la crée. When we experience peace when we create it. C'est ce que tu donnes que tu reçois. It is what you give that you receive. Vivre pour sa vie. Live it yourself. Tu dois te déterminer. You must make up your mind. Vivre pour servir les autres. To live, to serve the others. Tu dois devenir un miracle pour les autres. You must become a miracle for the others. Chaque jour, each day, tu dois décider d'être un miracle pour quelqu'un. You must decide to be a miracle for somebody. Peut-être tu dis que tu n'as pas l'argent. You may say I have no money. Mais tu peux donner une bonne parole. But you can give a good word. Une parole d'encouragement. You want to une parole de réconfort. You want to une parole de consolation. You want to consolation. Tu vas élever quelqu'un et le pousser dans les hauteurs. We should elevate somebody and raise him to heights. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Am I talking to somebody here? Devenir un miracle. To become a miracle. Pour quelqu'un d'autre. For somebody else. Il y a une femme que je connais. There's a woman I know. Depuis plusieurs années. For many years now. Elle a décidé de vivre pour voir que le plan de Dieu dans ma vie soit accompli. She decided to see, to live and see the plan of God to be. Partout où on a fait, elle déménage, elle le suit. Whenever the child family you pass there. Elle passe sa vie à prier pour moi. She spends her life praying for me. Je ne suis pas parenté à elle. I'm not her relative. Mais elle sait. But she knows que le bonheur dans la vie, that happiness in life, de servir les autres, is to serve the others. Toutes les nuits, every night, cette femme prie, ne dort pas. This woman does not sleep. She prays. Pour ça, elle travaille. She's working. Je ne la paye pas. I don't pay her. Je passe mon temps à la reprimer ma mère. And I spend my time. Mais elle est toujours là en train de prier. But she's always there praying. Elle dit, ce n'est plus l'histoire de toi et moi seulement. She said, it's not a matter between you and I. C'est entre Dieu, toi et moi maintenant. But it's between God, you and I now. Pourquoi est-ce que tu vis? Why do you live? Peut-être tu ne connais pas encore ce que tu dois faire. Maybe you don't know yet what you have to do. Mais est-ce que tu ne peux pas t'approcher à quelqu'un qui aime plus pour sa vie? Mais venant de Dieu, et le servir, afin qu'ensemble vous servez Dieu. Can't you give to somebody who has the purpose of God? For his life and serving so as to have your own purpose with you. Mais pourquoi fréquentez-vous? Why do you go to school? Est-ce que vous savez que la loi de la transitivité? Do you know that there's a law of transitivity? Ah, en relation avec B. Is related to B. Ah, A. Related to B. Et B en relation avec C. And B related to C. Ça veut dire quoi? What does it mean? Que A est en relation avec C. It means A is related to C. Si tu sais quelqu'un. If you serve somebody. Et en train de servir Dieu. Who is serving God. Tu es en train de servir Dieu. You are serving God. La tragédie de l'Afrique. The tragedy of life. C'est que personne ne veut être numéro 2. Is that nobody wants to be number 2. Tout le monde veut être numéro 1. Everybody wants to be number 1. Personne ne veut être le dauphin de l'autre. Nobody wants to follow the other. On veut renverser l'autre par le pouvoir. You want to turn the other over and take over. Quelqu'un dit ouais. Somebody say ouais. Quelqu'un dit ouais. Somebody say ouais. Qui est ton mentor spirituel? Who is your spiritual mentor? Je peux être ton pasteur sans être ton mentor. I could be your pastor without being your mentor. Qui est ton mentor? Who is your mentor? Qui est la personne sur qui tu te réfères? Who is the person who is your reference? C'est vrai que l'idéal serait que ton pasteur soit ton mentor. It's true that the ideal is that your pastor be your mentor. Mais est-ce que tu es... Je parle avec les larmes dans mes yeux. I'm speaking with tears in my eyes. Leader de cette église. Leader of this church. Qui est votre mentor? Who is your mentor? Qui parle et tu trembles? Who speaks and you tremble? Par amour. Out of love. Vive pour servir. Living to serve. Ce matin, this morning, je t'inscris à l'université du service. I register you in the university of service. Je t'inscris à l'université du service. I register you in the university of service. Je t'inscris à l'université du service. I register you in the university of service. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. L'autre chose.
Another thing. Donc tu dois savoir. That you should know. C'est la dernière chose avant que je ne prie. This is the last thing before I pray. C'est que tu dois toujours dynamiser ta vie. Is that you have to always dynamize your life. Tu dois toujours dynamiser ta vie. You should always dynamize your life. Actes chapitre 1 verset 8. Acts chapter 1 verse 8. Vous recevrez une dynamis. You shall receive a dynamis. Vous recevrez un dynamis. You shall receive a dynamis. Une puissance. A power. Une dynamite. A dynamo. Une dynamo. A dynamo. Et vous serez mes témoins. And you shall be my witness. Christ était en train de dire. Christ was saying. Ce n'est pas la connaissance théologique et biblique. Et ça, c'est théologique, la biblique en donné. Qui va faire en sorte que vous vivez longtemps. That will cause you to live for long. Mais c'est le dynamis. But it's the dynamis. C'est la puissance. It's the power. Qui donnera un sens. That shall give a sense to your life. À votre vie. To your life. À votre vie. To your life. Dynamis. Dynamis. Lorsque tu renouvelles la puissance de Dieu dans ta vie. When you renew the power of God in your life, rien ne peut plus t'arrêter. Nothing can stop you. Ce qui tue les autres ne te tue pas. That which kills men doesn't kill you. Il n'y a pas dit amen. Somebody must say amen. Ce qui tue les autres ne te tue pas. What kills men doesn't kill you. Est-ce que vous savez? Do you know? Que lorsque l'apôtre Paul, that when the apostle Paul, est arrivé à l'île de Malte, went to the Malta island, c'est par la mordu. He was bitten by a snake. Écoutez-moi bien. Listen to me carefully. Suivez-moi attentivement. Follow me attentively. La Bible déclare. The Bible declares. Que lorsque le ciel, lorsque l'homme a péché, that when man sinned, Dieu a dit à l'homme, God told man, tu es poussière. You are dust. Et tu retourneras. And you shall go back to dust. Et tu retourneras dans la poussière. You shall return to dust. Et là, tu ne sais pas. I want you to tell the serpent. Que Dieu te nourrira de la poussière. That you shall feed with the dust. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Que le serpent devait se nourrir de l'homme. That the snake had to feed with man. Et c'est pour ça qu'il a fui. And that's why I turned. Tu le mordras au talon. You shall bite him at the heel. Et lui t'écrasera la tête. But he shall crush your head. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? I talking to somebody here. Mais maintenant. But now. Pendant plus de 6000 ans. For more than 6,000. Le diable a passé le temps à contrôler et à manger l'homme. The devil spent his time controlling and parce eating que le diable, le serpent est le synonyme du diable. Because the serpent is the devil's synonym. Donc écoutez-moi attentivement. So listen to me carefully. Le diable a passé le temps à détruire les foyers. The devil spent his time destroying you. Tuer les gens avant leur temps. Killing people before their time. Et il est arrivé à Paul. And he came to Paul. La Bible dit. The Bible says. Que le serpent a mordu Paul. That Paul was beaten by his feet. Et il s'est accroché là. And he hung on his hand. Pour pouvoir le tuer. To kill him. Mais Paul a dit au serpent. But Paul told his name. Tu fais erreur. You are making a mistake. Sur la personne. On the person. Hey, 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 hey. Tu fais erreur sur la personne. But make a mistake on the person. Je ne suis pas poussière. I'm not dust. Je viens d'en haut. I can't come up here. Pourquoi le serpent n'a pas réussi à tuer Paul? Why was the snake unable to kill Paul? Parce qu'il était une nouvelle créature. Because he was a new creature. Il était encore l'ancienne créature. If you have been a new, the old creature, la créature vient de la poussière et retourne à la poussière. The old creature comes from dust and returns to dust. Et le diable se nourrit de cette poussière. And the devil feeds on that dust. Mais la nouvelle création, and the new creation, vient du ciel, comes from above, et retourne au ciel, and goes back to dust. Et le diable ne peut pas se nourrir de la personne. And the devil cannot feed on that person. Tout ce que le diable va te prendre dans ta vie va échouer. Si tu crois cela, dis amen. Et que Dieu t'a chargé. C'est pour ça que dans Marc, la Bible déclare. That's why the Bible says in Marc. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Behold, these are the signs that shall accompany those. Ils saisiront les serpents. Et cela ne leur fera point de mal. Pick up snakes and you shall do them no harm. Ils voiront des breuvages mortels et ça deviendra le cube magie avec étoiles. They shall take deadly poison and shall become magic with stars. Ce matin, this morning, toute maladie qui a dans ton corps, every sickness in your body, qui a tué les autres, that killed the others, ne va pas te tuer, shall not kill you. Ça ne va pas te tuer, it shall not kill you. Ça ne va pas te tuer, it shall not kill you. Il dit que l'accident
de la rupture de le manque des gens dans nos pays. And you said that Ruth actually accused so many people in the church. Je suis venu dire à quelqu'un. I come to tell somebody. Comme les autres meurent par accident de la route. And you know that type by road accident. Toi, tu vas voyager, tu ne mourras pas par accident de la route. You shall come and come and die by accident. Je dis que tu ne mourras pas au nom de Jésus. I say you shall not die in Jesus' name. Pourquoi? Why? Parce que tu es une nouvelle. Because you're a new creature. Tu viens du. You come to heaven. Et tu retourneras. And you shall go back to heaven. Tout ce que les sorciers vont chercher, on dit manger dans le sang là. Everything that the sorcerers are trying to do, on les a mangés dans le sang là. He said, "Eat the of me, Shah Nyongo." De manger, moi. Eat of me, moi. Me. Moi manger dans le sang là. To eat of the sang là. On mange ce qui vient de la poussière. They eat those who come from dust. Moi je viens du ciel. But I come from heaven. J'ai été créé à partir de la côte de quelqu'un. I was created from somebody's rib. Lorsqu'on a percé d'un côté de Jésus. When the rib of Jesus was born. Le sang et l'eau sont sortis. Water and blood gushed out. Symbolisant la parole de Dieu. Symbolizing the word of God. La Bible dit que c'est pas son sang. The Bible says it's by his blood. Il s'est acquis un peuple. That he has he got a people for himself. Je suis venu dire à quelqu'un. I come. De la boue. You are not a product of dust. You are not a product of man. Tu es produit du sang de Dieu. But you are a product of the blood of God. Et la vie est dans le sang. And there is life in the blood. C'est trop fort. Vous allez tout parler. Rendez-vous demain. Ok, après vous continuez ce genre de message. Vous continuez ce genre de message. Ce matin. This morning, dis après moi, je ne mourrai pas avant mon temps. Je ne mourrai pas avant mon temps. Ah, est-ce que tu parles comme quelqu'un qui est convaincu? Are you really convinced of what you're saying? Dis encore! Okay. Dis encore! Hey, okay. Dis encore! Maintenant, tu vas le dire en patois. Now say in your dialect. Parce qu'il y a les démons qui ne comprennent que ton patois. Because there are some demons that only understand. Ils ont longtemps été dans ton village. For long they have been in your village. Et à cause de cela, ils parlent quoi là? But because of the same. Pourquoi est-ce que tu parles en langue? You think you're speaking in tongues. Tant pis pour ceux qui ne connaissent pas le patois, ça fait quelque chose. Well, sorry for those who don't know their dialect. Ils ne savaient dire cela. And you say it means this. Enlève-toi, gars! Si vous voulez parler le patois, allez-y, la foi! C'est vrai, vrai? Accordez la foi! One last time! Amen! 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 Lèvons-nous, nous allons prier. Let's stand up to pray. Que tu demandes pardon à Dieu. I want you to ask God for forgiveness. Pour toutes choses que tu as faites. For each thing that you que tes parents ont fait. That your parents did. Et qui peut occasionner la mort précoce dans ta famille. And which can be the cause of premature death in your family. Dis Seigneur, je te demande pardon pour moi. Say Lord, I'm asking for pour les membres de ma famille. And for the rest of my family. Je refuse de mourir avant mon temps. I refuse to die before my child. Je vous donne 2 minutes pour cette prière. I give you 2 minutes for this prayer. Ne confessez pas légèrement. Don't confess it. Confessez profondément. Confess it. Et ça affecte toute ta famille pendant que tu parles. Élevons la voix et prions. Je dis l'eau. Dans ce deuxième sujet de prière, nous allons prendre autorité. We will take authority. Nous allons prendre autorité. We will take authority. Lorsque tu as prononcé les paroles ou le commis les péchés là. When you recognize those sins and prayer. Lorsque tu as prononcé ces paroles. When after you pronounce those words. Ou que tu as commis ces péchés. Or that you committed those sins. Il y a des démons qui sont venus s'asseoir sur ça. There are demons that came and sat on it. Pour s'assurer que les conséquences soient payées. To make sure that the consequences be paid for. Tu dois donc prendre autorité. So you must take authority. Parce que Dieu t'a pardonné. Because God has forgiven et le diable ne pardonne pas. But the devil does not forgive. Le diable ne pardonne pas. The devil does not forgive. Tu n'as même pas besoin de son pardon. You don't even need his forgiveness. Tu as l'autorité pour le mettre à sa place. You have authority to put him in place. Nous allons prendre autorité. Let's take authority. Et arrêter la mort précoce dans nos familles. And stop the premature death in our families. Quelles que soient les alliances. Whatever be the covenant. Quelles que soient les paroles. Whatever be the word. Quelles que soient les décrets. Whatever be the decree. Je t'en prends l'autorité. You take authority. Contre la mort précoce.
chose prématurée. Au travers des accidents. Tout accident. Au travers de la maladie. Tout sickness. Au travers du suicide. Tout suicide. Je ne sais pas comment la mort vient souvent. I don't know how death usually comes. Prends autorité contre tout cela. But take authority against all those. Maintenant, tu vas prier. Troisième sujet. Don't pray, you pray. Tu vas déclarer. You declare. La longévité comme ton héritage. Longevity as your heritage. Tu vas rejeter et déclarer les choses positives sur toi et ta famille. You declare positive things on you and your family. Que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. That goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Tu vas déclarer que le succès est ton frère jumeau. You declare that success is your twin brother. Tu vas déclarer. You declare. Que tu refuses d'enterrer les membres de ta famille. That you refuse to bury your family members. Et que, ils ne vont pas t'enterrer. And that they shall not bury you. Vous allez vivre jusqu'à être rassasié des jours. You shall live until you are satisfied with age. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Am I talking to somebody? Ouvre ta bouche et déclare ces choses là. Open your mouth and declare this thing.